Respirate and family homies, for the desperate story, another life story, another lesson of life par le pouvoir du tout puissant qui inspira à l'homme l'entretien de l'espoir, mes amis, bien placé l'espoir, permettant ainsi la continuité du mouvement en avant, évitant par là même les désastres qu'amène l'énergie du désespoir. Mal placé que ce désespoir qui naît bien souvent du déplacement de la réalité perçue et des priorités. Priorité donc à l'espoir, mes amis. Recevez nos cordiales salutations ainsi que le présent message d'espoir à travers l'exposé du cas de certains désespérés, l'antithèse du jour, le désespoir. Tant qu'il y a de la vie, dit-on, il y a de l'espoir. Ça dépend. Pourrait-on dire et pour qui pourrait-on être tenté de questionner? Tout le monde espère quelque chose ou de quelqu'un, de la vie en général, de ce qu'elle a à offrir. Mais dans cet océan d'espoir entretenu, il y a ceux qui font de leur espoir sur des bases saines et réalistes et d'autres moins équilibrés qui, eux, le fondent sur des probabilités, des éventualités, des concours souhaités de circonstances dans le vide, on va dire. Nous, par ailleurs, vivons dans des temps cruciaux où l'espoir appelle au réalisme, mes amis. Ainsi donc, il y a ce qui relève du possible et pour le reste, bien des considérations à prendre en compte. Pour l'histoire donc et pour l'exemple, nous parlerons brièvement de la brève trajectoire d'un groupe d'individus rassemblés autour d'un objectif, d'un intérêt commun, la route ou le chemin de la manifestation de leur désespoir actuel. Il s'agit de l'histoire d'un groupe contre un seul homme, d'où l'espoir initial, insufflateur du mouvement permis par la perception basique, mais non moins erronée qu'un seul ne pourrait tenir contre plusieurs. Or, l'évaluation quantitative ici, en l'occurrence, ne fut pas indiquée car cet espoir fou qui naquit de l'appât du gain facile perturba les raisonnements. Voilà la réalité d'ensemble, le jugement de valeur et des forces en présence. Il ne faut pas baser ses espoirs sur ce type de raisonnement biaisé par l'appréciation d'irréalité en lieu et place de la réalité. Ainsi donc, quelle que soit la réalité, un homme, un seul debout, un vrai, réveillé et éveillé avec tout ce que cela entraîne, fut capable de la main gauche de neutraliser et défaire toute cette opposition tout en continuant comme si de rien n'était à gérer les affaires courantes avec sa main droite, non sans encombre, mais dans la droiture, c'est-à-dire de manière effective. Que devons-nous donc en tirer? 1. L'union fait la force. Mais le regroupement autour de l'appréciation de rapports de force ne fait la force de rien du tout. La qualité toujours, mes amis, en lieu et place de la quantité. 3. Il n'est pas permis à tous d'espérer. Il faut éviter, mes amis, de devenir des personnes désespérées que l'on peut entraîner dans tout et n'importe quoi, qui font tout et n'importe quoi. Car l'énergie du désespoir est dévastatrice. Et l'on perd graduellement espoir en se bornant à faire des choix que l'on sait mauvais. On peut, pour se donner bonne conscience, regarder ce que l'on a envie de voir et fermer les yeux sur le reste. Mais ça n'empêche pas à la réalité de demeurer ce qu'elle est, surtout quand en face il y a une réelle opposition qui, elle, ne se voile pas à la face. La leçon du jour est donc destinée aux désespérés du moment. Toutes celles et ceux qui ne l'ont pas vu venir, qui n'ont pas su comment se tenir. Pensant que l'univers des probabilités de réalisation était restreint à leur étroit champ de perception, plus d'espoir, place au désespoir. Pour le reste des personnes nullement impliquées, ce sera juste, mes amis, une invitation à vous armer d'espoir pour mener les combats, juste ceux qui s'imposent, ceux ordonnés par le temps et la nécessaire préservation, mes amis, de nos espaces, de nos vies, bien placer donc l'espoir, afin donc d'éviter de ressembler
À ces derniers, les précités, les désespérés, les derniers de la classe de cette nouvelle ère qui appelle au renouveau, mes amis, afin de nous éviter la présence de tant de personnes désespérées, afin de sainement entretenir l'espoir, le réel, le nécessaire, bien placé dans le contexte et la réalité, mes amis. On s'accorde le droit à l'espoir en gardant le contact avec la réalité, en donnant le meilleur de soi pour y rester et garder légitimement espoir. Free spirit and family, on garde espoir, les gars. Restons fermes sur nos positions ancrées autour de nos solides fondations et continuons, mes amis. L'opération nettoyage, car c'est de cela qu'il s'agit, pour assainir le milieu intérieur, aussi bien à l'extérieur et à l'intérieur de nos têtes, mes amis. Pas de place pour le désespoir, ni pour les désespérés par le pouvoir. Du tout-puissant, desperate they were before. Desperate they still are after messing with the wrong one. Desperate they will remain by the power of the Almighty. Peace, love and hope to the community of common sense. Yeah, man, bro, free common sense spirit.